Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode 2 Cross Out, chers amis. Donc, toujours dans la même session, nous essayons d'avoir le niveau 10 pour pouvoir débloquer le nouveau mode de jeu qui importera donc un gain potentiel d'argent. Ce qui peut être pratique si on veut acheter des choses sur le market directement ou tout simplement pouvoir payer nos pièces de rechange. Je vous rappelle que je ne suis pas fan de ce genre de choses, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Il est joli son vaisseau Hni. Son véhicule Hni, pardon. Quelqu'un d'autre? Gros canon, on appelle dans le métier. Boum! Ah, il a un lance-missile à l'avant et un canon sur le haut. Hashtag, c'est complètement craqué. Boum! Oh, c'était beau! Par contre, ouais, tu peux tirer qu'à l'avant, quoi. C'est débile de participer à ça. Que tu vas te faire défoncer. Y'a plus de canon. Et t'as plus de missiles du tout maintenant. T'as pas l'air fin. T'as pas l'air fin. Ah, il te manque des roues, ça y est, c'est le début de la fin. T'as du bol, il te manque une roue à l'arrière et une roue à l'avant. De chaque côté. Ah, c'est fini. C'est fini. Et ils ont perdu. Ça valait bien la peine de prendre cet armement. Ce qui veut dire que si on se trouve dans l'équipe contre Atara machin là, on est bêté. Ah, on est avec. Cool. Ouf. Bon. Est-ce qu'on fait un rush sur la base ennemie ou est-ce qu'on fait des kills? Les kills c'est plus pratique, ça rapporte plus d'XP. Les kills. Le choix était rapide. Ok, il y a mes enceintes derrière, c'est bon, ça passe. Alors. Allez par là. Oh, ils ont tous bouffé le mur. Attends. Il y a déjà un décès chez nous. Hop, et de 1. Hop. Tu vas me faire le plaisir de crever à nouveau, toi. Bah, devient vous de crever tout simplement, pas à nouveau, mais. Allez! Faut pas qu'on me pique mon kill. Hop. Crac. Hop. Hop. Par contre, on n'est plus très nombreux. Je suis tout seul. Face à Mega Killer et Rublik. Merde, je me suis tapé le mur. Hop. Oh la vache. T'es sérieux là? T'es sérieux sur les dégâts que tu viens de me faire en quelques secondes? Enfin en une seconde quand même. C'est pas, faut pas chercher en quelques secondes, c'est en une seconde. La gueule! C'est écœurant! Bah non, on va continuer. Écoute. C'est écœurant! C'est écœurant, c'est écœurant! Comment que je peux me prendre autant de dégâts en une seconde? C'est débile! Bon, enfin bon, j'imagine que c'est comme ça. C'est vrai que comme je l'avais déjà dit une fois ou deux, l'arme que j'ai ne tire pas souvent. Ce qui change peut-être un petit peu tout au niveau de son niveau. Elle fait de gros dégâts au coup par coup, mais sinon, oui, effectivement, de l'autre côté,
Elle est pas si... Par contre, de là à ce qu'elle soit plus précise que la mienne... Ok... Je prenne un petit peu d'avance sur mes tirs. Ok, on va aller au cac, sinon on va tous crever. On a encore méga killer et Rublik en face de nous. Ce qui est encore chiant. Hop, et de 1. Et de 2. Allez Mathieu, avance, reste pas devant moi. Voilà, embêté par une IA. Hop, kill assist. Je vais essayer d'aller... à leur base. On va bien voir. J'ai que ça à foutre. Ça y est, ils ont eu Anthony. Parfait, victoire. Victoire, victoire. Bon, toujours ça le prix. Next. Oh putain, je suis à rien de passer niveau 10 quoi. Je suis à rien de passer niveau 10. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on n'est plus qu'à un joueur contre un joueur, après contre que des PNJ. Donc c'est un, on a deux joueurs sur sur 16 PN, sur 16 deux joueurs sur 16 en fait, simplement. On va reprendre le même chemin que d'habitude. Vous le connaissez tous, vous l'aimez tous. Hop. On va faire revenir le joueur. Crac. Alors, viens-tu me voir? Hop. Crac, en douceur, hein, ça se passe plutôt bien. No suicide, hein. Je vois que ça explose par contre par là-bas. Ce qui, je l'avoue, m'inquiète. Faudrait que ça aille un poil plus vite par contre, ça serait cool. Allez. Oh la haine qu'il doit avoir. Flawless. Oh putain. Oh la haine qu'il doit avoir. Waouh. On a enfin atteint ce niveau 10. On a enfin atteint ce niveau 10 avec un nouveau véhicule potentiellement craftable. Long, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, voyageur, survivant, voyageur, vous dites ça comme vous voulez. Ça va, ils sont un projet secret.
Oui, to be art time, to business, d'accord, d'accord, ok, bah bon, c'est du RP, du RP, du RP, du RP. On permet d'aller. Oh, on permet d'infiltrer une nouvelle faction, d'accord. Ouais, bah écoute, on verra ça une autre fois. J'aimerais d'abord voir pour ce fameux nouveau véhicule. Maha! Maha, maha! Alors, il y avait le nouveau véhicule, il y avait aussi le nouveau type de partie. Bah écoutez, chers amis, je pense plutôt qu'on va se laisser là. Pour le présent épisode. Non, non, non. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va essayer ce machin qui permet de gagner des sous. Et on va voir si c'est sympa. Storm Warning. On va bien voir si c'est sympa ou pas. Oula, 2 minutes d'attente. Donc il n'y a personne qui a atteint le niveau 10 dans le jeu. C'est cool. Ok, bah écoutez, désolé, on va se laisser là pour cet épisode du coup. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, on peut retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour cette aventure. Salut les gens, et dans le prochain épisode, un petit épisode construction. Wouhou!